Aujourd'hui, nous sommes connectés et interconnectés à un point que les dirigeants de mouvements étudiants et ouvriers en mai 68 n'auraient jamais pu imaginer. Pourtant, je me demande si cette course à grande vitesse vers le monde interconnecté, vers une économie globalisée, n'a pas entraîné autant de préjudices que de bienfaits. Au lieu de répandre empathie, l'intégration économique rapide du monde semble répandre la peur d'une part et la passivité d'autre part. En réponse à leur peur, à peur du changement économique et social, un nombre croissant de personnes se réfugient dans les idées et des idéologies qui divisent les gens et les cultures au lieu de célébrer la diversité et rassembler les gens. Nous le constatons, je crois, dans les élections de gouvernement orientées à droite en Italie, en Europe de l'Est, dans la résurgence de la droite en Allemagne et dans le mouvement de Brexit en Angleterre. Et bien sûr, nous le constatons avec l'élection de Michel Trump dans mon pays. Aujourd'hui, la grande expérience de l'unité européenne est plus que jamais menacée. En Amérique, les vénérables institutions qui sont la liberté de la presse, l'indépendance de la justice, le progrès de la protection de l'environnement et des soins de santé abordables sont aussi menacés. Au cours de cette dérive vers la droite, vers un leadership basé sur la peur, le nationalisme ou la manipulation, le peuple français a élu un centriste inspiré, Michel Macron, qui ouvre la voie de la réforme économique sans régresser vers une époque où les États-nations agissant exclusivement sur la base d'intérêts paroissiaux. C'est difficile à prononcer, paroissiaux. Tout comme en mai 1968, le temps est venu, je crois, pour tout citoyen éclairé et de se lever et de s'impliquer pour faire avancer le monde par le respect, la coopération et la communication, au lieu de revenir aux jours sombres de nationalisme dont on est. Construire des murs et remonter des ponts-levis n'est pas la voie à suivre au XXIe siècle. Cela a échoué avec des conséquences catastrophiques au XXe siècle. Et je crois que cela échouera de nouveau. En tant qu'un Américain qui aime son pays et le vôtre, je ne saurais assez rappeler à quel point l'exemple donné par la France est important pour le monde aujourd'hui. Les États industrialisés contemporains doivent parfois s'adapter à changements douloureux, mais ils doivent le faire d'une manière qui favorise la mobilité ascendante et le progrès et protège les progrès économiques et sociaux obtenus par les citoyens au prix de nombreuses années de lutte. Par-dessus tout, les gens de bonne volonté ne doivent pas perdre leur optimisme, ne doivent pas céder à la passivité ni à la complaisance. Les protestations citoyennes qui ont façonné l'histoire de la France et de l'Amérique sont plus nécessaires, je crois, que jamais dans les démocraties libérales du monde entier. La voie de la réforme progressive peut souvent s'avérer très épineuse et certains jours, il peut sembler irréalisable. Mais il est important que l'effort soit fait, en particulier par les peuples français, surtout à ce moment de l'histoire. Malgré tous les bouleversements chaotiques des événements de mai en 68, à l'époque, les gens se tenaient
libres de remettre en question leur autorité, de parler ouvertement des changements sociaux, économiques. C'était, bonjour, c'était une époque où les gens n'avaient pas peur d'affoncer une période. Si vous voulez, ça, rentrez, s'asseoir, s'asseoir, merci. Et vous ? Alors, c'était une époque où les gens n'avaient en peur d'enfoncer une période d'apprentissage collectif rare dans le monde où la France a joué un rôle de premier plan. Pour ceux qui ont vécu ces événements comme moi, nous nous souvenons des discussions qui se tenaient à chaque coin de rue, non seulement dans les universités, mais dans toutes les régions de France. C'était un moment de questionnement et de discussion, c'était un moment de participation citoyenne massive. Le monde aujourd'hui, je crois, a de nouveaux besoins de ce type de participation citoyenne. Lors de la dernière élection présidentielle américaine, seule la moitié environ de nos électeurs ont voté. Lors des élections françaises de 2017, plus que 11 millions de citoyens inscrits sur les listes électorales ont choisi de ne pas voter. Moi, je pense que cela doit changer. Les lycéens de la Marjorie Stoneman Douglas High School de Parkland, dans mon état de Floride. Est-ce que vous connaissez l'histoire là? C'est un high school en Floride. Récemment, il y a une fusillade là-bas. Oui, un tueur. Donc les lycéens là qui se sont mobilisés en faveur d'une réforme rationnelle du contrôle des armes à feu sont un bon exemple de participation citoyenne qui peut faire une différence et qui la fera. Même hier, dans les journaux, les femmes en Amérique, à Washington DC, qui a bloqué les bureaux de sénateurs, qui a fait la même chose pour la cause d'arrêter la séparation des enfants de famille. C'est un autre exemple de participation citoyenne. Comme un peu comme 68, mais de notre époque, je crois. Lorsque le jeune Robbie Sandberg, protagoniste ici, est arrivé à Paris en 68, il a compris que l'Amérique ne serait jamais née sans les dieux de Rousseau et la braveur de l'affaire. Aujourd'hui, l'écrivain qui a créé Robbie comprend que la France joue toujours un rôle central dans le monde et j'espère que les Français s'uniront pour soutenir cette effort importante pour la France, pour l'Europe, pour Amérique et pour l'avenir de notre planète. Bon, merci. Thank you. And thank you for coming. On peut poser des questions? Ah oui, on peut poser des questions. Vraiment. Ensemble, ton livre, mais plus important, il y a quelque chose à boire et quelque chose à manger. Ton livre, c'est un peu.